la Journée nationale de l'industrie organisée par le ministre de ministère de l'Industrie et du Commerce. وبذلك أصبح المغرب اليوم وجهة عالمية لا غنى عنها بالنسبة لقطاعات متطورة كصناعة السيارات التي تتبوأ فيها بلادنا مركز الريادة على الصعيد القاري. Je réaffirme l'engagement total du secteur privé pour la création d'emplois et pour renforcer. Le secteur privé est clairement mobilisé et conscient du rôle qu'il doit jouer et complètement mobilisé pour réussir ce challenge de faire de notre industrie un taux de croissance important. Il y a la décarbonation qui est un enjeu important, il y a aussi les emplois des jeunes. Il y a beaucoup de choses qui vont faire que notre économie va se développer davantage à l'avenir. Nous avons aujourd'hui des chances remarquables pour aller plus loin, pour aller plus vite et pour aller plus haut, pour attirer d'autres industries, pour intégrer beaucoup plus le capital humain marocain, pour intégrer davantage la femme. Et aujourd'hui, le Maroc se positionne dans une industrie de très haut de gamme pour accompagner la révolution du secteur aéronautique. Surtout que nous avons 42,2% de femmes ingénieures. Donc nous avons un potentiel féminin, j'allais dire, d'innovation très important. Et aussi, un des objectifs du gouvernement, c'est d'augmenter le taux de participation des femmes de 20% à 30%. Et pour cela, nous avons élaboré le PGE3. Nous avons élaboré donc le cadre stratégique d'égalité parité Horizon 2035, dans lequel la première phase, c'est le PGE3. C'est le plan gouvernemental de l'égalité numéro 3. Le premier axe, il est sur l'autonomisation et notamment